à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver en ce début d'année 2018. J'espère que vous avez passé de belles fêtes avec vos familles, vos proches, vos amis, que vous avez pu profiter de ces instants de partage tous ensemble. 2018 sera une année importante pour notre ville. Vous le savez, 2017 a été une année difficile avec la perte et le décès de notre maire, Emmanuel Lamy. Notre équipe a rebondi, a su prendre le relais et dorénavant, nous sommes toutes et tous au service des Saint-Germainois pour cette nouvelle année. 2018 sera l'année du centenaire de Bussy, ça sera un marqueur au cours de toute cette année et nous aurons l'occasion de revenir vers vous avec le programme de ces festivités. Mais 2018, c'est également l'année des grands projets, le lancement du chantier de l'hôpital, la réflexion que nous avons avec les communes voisines de Saint-Germain sur ce projet de commune nouvelle, avec Fourqueux, Marie-Marly, l'Étang-la-Ville. Et puis 2018, c'est avant tout une année de partage, de projets, d'émotions, je l'espère. Et nous aurons l'occasion de nous rencontrer le samedi 13 janvier prochain, à l'occasion des vœux à la population. Des vœux un petit peu innovants cette année, parce que nous avons souhaité non pas réserver ce moment d'écoute, de dialogue et de partage tous ensemble à quelques-uns, mais avec vous tous, sur inscription. Alors je vous engage effectivement à aller sur le site internet de la ville de Saint-Germain pour vous y inscrire afin que nous puissions nous rencontrer donc le 13 janvier prochain au gymnase des Lavandières.